Et re-YouTube. Alors, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode. On avait fait quoi la dernière fois? On avait fait du catch avec Bane. On avait exploré le cortex cérébral du Joker ainsi que celui de Batman. Et on avait arrêté Black Mask. C'est ça. On a arrêté Black Mask et on a désactivé toutes les tours réseau qui bloquaient Batwing d'Enigma. Voilà. Alors, on se retrouve ici. La grenade collante peut stopper la vapeur. On se retrouve ici, donc, où on doit une nouvelle fois infiltrer le GCPD. Pour aller voir un corps à la mort qui apparemment serait celui de Bane. Mais bon, honnêtement, j'y crois moyen. Ça m'étonnerait. Déjà que les balles, ça visait pas grand chose, hein, on a bien vu sur la cinématique. J'y crois moyen. Hein. Moi, je dirais plutôt que c'est un gros con boosté au venin. Ils ont retrouvé là-dedans. Oui, c'est ça. Hop là. Je sais pas ce qui nous attend, hein. J'en ai aucune idée. Alors qu'on s'amuse avec de l'U. D'accord. Mur invisible. Ah bah oui, on peut passer par là dans le coup, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on va voir Gordon? Ou peut-être revoir Barbara? On va savoir. Ouais. C'est mieux. Funérix. Astérix. Ah, on est à la morgue. Ouais, je m'y attendais. Ce n'est pas Bane, mais l'un de ses hommes. Je l'avais dit. J'ai vu lors de l'émeute dans les cellules tout à l'heure. Je dois examiner son cadavre. Le venin est trop instable. On sait ça, non ? La victime a reçu un produit chimique qui a entraîné une déformation temporaire de sa physiologie. Je vais devoir lire le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Cet ordinateur doit contenir le rapport d'autopsie que je recherche. Ah merde, je suis en train de me barrer alors qu'en fait il est à l'ordi. Bip bip loup. Ah non, même pas. Alors. Intéressant. La victime utilisait un puissant composé présentant de nombreuses similitudes avec le venin au moment de la mort. Cela change les muscles de l'utilisateur et la structure des os. Ce qui améliore des la force stéroïdes pour une courte période. Quel que soit ce composé, il réduit les capacités mentales de plusieurs façons, y compris en causant de gros dégâts au niveau de la mémoire. Une utilisation prolongée pourrait sérieusement endommager la mémoire de l'utilisateur. C'est là qu'on se demande, mais comment Bane y fait dans le coup, puisqu'il utilise tout voilà le temps le venin, quoi. De Bane. C'est ça qui est bizarre. Et dans le coup, on peut se balader ou pas du tout? J'ai entendu un crunk crunk. C'est-à-dire quoi? Oh! Il y a un truc sous le sol. Ah! D'accord, un petit dossier. Bon, ça fait de l'XP, hein. Hop! Et dans le coup, on a nulle part où aller, on est obligé de repartir. Par contre, j'ai pas compris le clung clung. Que c'est? À toutes les unités, on nous a signalé des tirs dans le quartier de Coventry. D'après les témoins, les deux groupes armés s'affrontent pour des armes chimiques apparemment. Oh merde. Des mini-bains de partout. Super. Des armes chimiques? Je devrais aller voir. Enquêter sur le combat de gang. Ah oui, dans le coup, ça se trouve, fallait peut-être que j'utilise ma grenade collante. Bon, bah, c'est pas grave. Hop, ah. Baf. La super glue 4. Et hop là. Bon, est-ce qu'on va avoir un combat ou quoi en sortant des égouts? Pas du tout. Ah, non, c'est... Ah, j'ai même pas laissé le temps de parler, tu vois. Alors, c'est quoi cette guerre de gang? C'est quoi ça? Bird. Enquêter sur le combat de gang. C'est ça? Il y en a plusieurs? On doit filer à la position de Bane avant de reperdre la trace du signal. Non! Tu vas m'écouter, Batman! Ah putain, il y a une. Oh! Il y a encore une autre enquête! Pff, truc.
Y a trop de trucs. C'est ça qui est bon, c'est que ça fait plus de contenu. Et en plus, c'est pas répétitif. C'est vrai que c'est vraiment à chaque fois quelque chose de nouveau. Et ça, c'est cool. Allons-y. Je dois bastonner tout le monde encore. Très bien. Allons-y. Alors, ça se passe où? C'est ici. Je dois arrêter ce combat et sécuriser les produits chimiques. Il y en a combien là? On peut pas les laisser s'entretuer? Non! Alors, du coup, c'est les hommes du pingouin contre les hommes de Bane. Allez, là, on va se marrer. Mais la manette qui se dé... La manette qui se déco, quoi. C'est abusé. Juste au moment où on reprend l'avantage, quoi. J'aime trancher dans le... Écrasez-lui la tronche. On va mettre de l'ambiance, nous aussi. Ah merde, j'ai failli le défoncer. Alors, y'a quoi dans ce conteneur? Un cadeau pour elle, Réfé. Il y en a plein d'autres. Où se trouvent les autres? Pas question que je le dise. Prêt, on est sur le port. Mais le Dwayne des Cobblepot nous a envoyé ses hommes. Il faut que tu viennes. J'ai tout ce qu'il me faut. Paf. Pendant qu'on prend un nouveau niveau. Alors, j'ai eu quoi? Nouveau, terminer la traque de Burn. Combo spécial désarmer et détruire. Ah, ça, ça peut être sympa. Hop. Je vais toujours prendre des trucs de combat. Alors ça. Ça peut être cool. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je... Ou que quoi? Burn. D'accord. On va aller là-bas. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Fait que c'est quelqu'un de spécial, aucune idée. On va voir ça tout de suite. Merde. Chamboule tout. J'en ai miné tellement. Oh, j'y suis retourné dedans. Mon golo. People. Cognez-le s'il le faut. C'est pour ça. C'est pour ça.
toucher. Aïe! Alors, dis-moi tout. Où se trouve le conteneur? Envolé. Tu le trouveras. Eh merde. Monsieur, votre tenue détecte des traces d'éléments d'un composé utilisé dans la fabrique du venin. Il semble que les conteneurs contiennent les ingrédients nécessaires à sa création. D'accord. Je vais devoir chercher où ils les ont emportés. Puis-je suggérer d'analyser la zone? Ils ont dû laisser les... Ah. Ingénieux, Fred. Il y a une cage là. On dirait qu'ils vont au club Mayalibai. C'est parti. Oh putain. Par contre, elle est tout le temps à l'autre bout de la planète. Eh, heureusement que j'ai débloqué toutes les tours. Hein. Franchement, qu'est-ce que ça sert, bordel? Allez, on y va. Ouais, je vais faire un truc par contre. Voilà. J'ai l'impression qu'il y avait un problème de synchronisation. Avec la manette, hein, je parle. Hop là. Oh. Pas trop mal. Unité disponible, donnez votre statut. On a peut-être une mission. Vos questions vont continuer à payer. On est bien, on est bien. Pouette, pouette, pouette. Tire-toi, et je t'épargnerai. Bien, tu veux le club? Prends-le! Mais quand le patron va découvrir ça... Il s'en mêlera pas s'il tient à sa vie. Ah! Batman! Tu es venu comme Bane l'avait prévu. Descends de ton perchoir que je puisse te tuer. Et c'est qui ce mec? Il suffit de demander. Bon, pour qui c'est ce mec? Cognez! Je vais te déchiqueter. Je vais t'assommer. Ah, j'ai loupé le dernier. Ils sont tous en train de voler. Hein? Alors? Qui es-tu? On m'appelle Bird. Un lieutenant de Bane. Si je t'élimine, ça le fera réfléchir. Ha! Bane a déjà tout ce qu'il lui faut. Il te trouvera. Et il te brisera! Wick. Ouais, Fred, ouais. Contactez le GCPD. Ils seront ravis de questionner ces hommes. Ok. Et y'a rien là-dedans? C'est ultra bizarre comme truc.
Oh. Et quoi par ici? Ouais. Bon. Il me semble que c'est là que va se passer aussi le DLC. Cold Earth. Il me semble qu'il se passe là aussi. On va voir. On verra. D'abord, je vais finir l'histoire et ensuite, on passera au DLC. Ce DLC, c'est pas un DLC genre de merde, hein. C'est un vrai DLC. Un vrai DLC avec une vraie histoire et tout. Donc, une histoire qui va être, comment dire, autour de Mr. Freeze. Donc de la rencontre entre Batman et Mr. Freeze. Bon, comme j'ai fini ma track, moi j'ai plus rien à foutre. Alors, hop. C'est où? Attendez, c'est où? Peut-être... Ah, il y a une enquête. Bon, je résiste pas à l'enquête. Allez, go. M'en voulez pas. Merde, je suis en train de partir où, moi? Là, c'est le GCPD. Ah, c'est ici? Ah, c'était là! Ça veut dire que j'aurais pu venir là depuis tout à l'heure? Ah, merde. Et le boulet? Un délit de fuite devant le GCPD. Ce n'était pas un accident. La victime s'appelle Nate Tremo. Nate Tremo, agent du SWAT du GCPD. Fait l'objet d'une enquête interne. Je me demande ce qu'il faisait là. Oula. On dirait qu'il a atterri très loin du véhicule. Je peux analyser la disposition des taches pour déterminer le point d'impact initial. Hop. C'est là que Remo a été tué. L'ADN indique que la voiture circulait à une vitesse élevée. Mais les éclaboussures révèlent que le conducteur a perdu le contrôle et que la voiture zigzaguait. Je devrais analyser la scène pour voir s'il n'y a pas un autre impact. Là. Ah non, là. Mais vas-y! Tu vas pas venir, tu le vois pas là? Il est juste devant ta tronche! Oh là là! L'analyse chimique indique une marque spécifique de peinture. Cela permet de déterminer la marque et le modèle de la voiture. En comparant cela avec la liste des membres de l'équipe, j'obtiens un seul nom, John DeMarco. Allons lui rendre une petite visite. Alfred? Ah non. Ah mais il est juste à côté! Ah bah allons-y! S'intéresser à nous. Du calme. Sans Rameau, ils pourront rien découvrir. Et dans une semaine. Y'a rien pour toi, Knop. Je vais prendre ce que je peux. Quand même. Pourquoi avoir fait ça, DeMarco? Pourquoi avoir tué Remo? Les boeufs carottes avaient pas assez de trucs sur nous. Mais Boom, il a eu peur. Il a passé un accord et il a décidé de parler. Le traître. Vous seriez sorti de prison dans quelques années pour la drogue. Mais un meurtre, c'est la perpétuité. C'est ce qu'on verra. Avec toutes les preuves que j'ai réunies, le jury ne mettra pas longtemps à délibérer. Ce qui est bien avec les preuves, c'est qu'elles ont tendance à disparaître. Non, pas quand je suis là.
Bonne réponse. Ah mais pourquoi ça coupe avec Alfred? Ça fait comme ça, c'est Alfred. Allez hop. Quête principale. On y retourne. Alors, le mouchard de Bane. Voilà. Donc d'un coup, je me suis débarrassé de l'un de ses lieutenants. Et maintenant, on va aller poursuivre le chef. Oh putain. C'est quoi tous ces snipes encore? Oh, je déteste les snipes dans ce jeu. C'est tellement infâme. Oui, Bird, il ne devrait pas être là pour m'aider. C'est un moment délicat. Bane lui a donné de... les ordres que Bane t'a donné. Hop là. D'accord. Je voulais juste... Tu crois qu'il prendra d'autres volontaires pour les tests? Je sais pas. Oh merde. Tu fais partie de la liste? Je suis le troisième. Pardon. Shoryuken. Alors. Je pense qu'il se gratte le fion. On les connaît, hein. Alors. Comment... On va me débarrasser d'eux. En fait, le problème, en fait, moi, c'est pas le, c'est pas les deux gars, c'est le mec armé. Hop. C'est pour ça qu'on est à Gotham. Bats-toi pour vivre. Allez, hop. Oh, j'ai pas. T'es en train de me dire que je suis obligé de le contrer? Je vais voler. Corps de linge. Bon alors, c'est pas où. Du mouchard provenait de quelque part dans ce tunnel. Hein? Y'a un brouilleur. Hop. J'avais l'oreille qui me grattait. Hop. Hop là. Vandalisme. Ils ont pas du tout entendu, hein. La ventilation est ultra silencieuse, hein. On l'explose contre un mur, ça fait... Ouais, c'est tout. Alors. D'accord. Ah ! Bonjour. Oui. On l'étale. Ah mais j'ai pas le temps de l'esquiver, c'est dommage. Et toi. Salut. Comme tu dis, fin de la partie. Atteignez un multiplicateur de combo x8. Bah c'est déjà fait ça depuis longtemps. On prend pas. Allez avance. Concentration déchaînée. Attendez, attendez. C'est ce que je crois. Augmentez les dégâts et ralentissez le temps lorsque la jauge de combo atteint x12 ou plus. Là, on est super bien. Utilisez ma grenade collante pour créer... Non ! Plouf. Pardon. Pas fait exprès en plus. Hop.
Et dans le coup, on va essayer de viser. Ah, je peux pas viser plus loin, très bien. Hop là. À l'ancienne. Hop. Je crois qu'on y est arrivé. Bon bah c'est parti. Ah. Oh oui! Ça devrait être facile! C'est exactement ce qu'il faut! Merde! Ah non! Je l'avais! Toi d'abord. Bah voilà. Prends le temps de comprendre. C'est pas mal hein le x12. On sent bien la nervosité de Batman. Yes, niveau supérieur. J'ai eu quoi? Nouveau, c'est quoi? Mais... Je pense pas que ce soit très utile. Ça c'est quoi? Performance améliorée pour le brouilleur. Ajouter une charge supplémentaire au dissipateur thermique du brouilleur. Ouais, pas très utile. Combat rapproché, je pense. D'accord. Ça, c'est cool. Donc, on est dans le QG de Bane. Très bien. Bane. Celui qui, normalement, me casse le dos. Alors. Allons-y. Le mouchard est quelque part dans les parages, ce qui veut dire que Bane est sûrement là aussi. Très impressionnant. Mais on dirait que Bane n'a pas trouvé comment contrer les effets secondaires que ce composé a sur les zones de la mémoire. Projet TN1. On dirait que Bane teste une nouvelle forme de venin. Quoi que ce soit, c'est ça qui a dû causer les modifications physiologiques que j'ai constatées sur le cadavre au GCPD. C'est vraiment intéressant, alors qu'on voit des caméras de partout. Oh, je suis mal installé moi. Ah bah cinématique, ça tombe bien. Du matos ici, eh. Putain, il a pris des tas de photos de moi, eh. Incroyable. Il savait ce qu'il faisait. Ah, il a trouvé mon mouchard. Il sait que je suis Bruce Wayne ? Alfred ! Alfred. Contacte Alfred, espèce de con ! Si il sait que t'es Bruce Wayne, il sait où t'habites ! Donc Alfred ! Appelle Alfred ! Il est con ou quoi ? Alfred, Bane sait qui je suis. Vous êtes en danger au manoir Wayne. Entendu. J'appelle la police. Non. Ils font rien. Je ne vais pas prendre le risque qu'ils découvrent aussi mon identité. Enfermez-vous dans la Batcave. Qu'allez-vous faire, monsieur ? Je vais venir vous rejoindre. Je trouverai bien quelque chose. Ok, on y va. Je dois retourner à la Batcave. Et rap. Ah mais je peux pas le faire d'ici ? Non, je peux pas. Faut que je remonte. Mais comment il a su que j'étais Batman ? Bah que j'étais Bruce Wayne, je veux dire. Et c'est vraiment bizarre. Ah mais dans le coup, je vais devoir me retaper tout le machin. Je peux pas me TP là. Oh. Je répète, le suspect est à bord d'un jetpack et est armé d'un lance-flamme. What? Plusieurs otages sont prisonniers pris. Firefly. Oh merde. Tu dois savoir que le Joker est en prison. Et il met ses gens en danger pour pouvoir m'atteindre. Delta 6-5 à Central. Qui est l'agent responsable sur le pionnier? Le capitaine James Gordon est l'agent responsable.
Ah putain, il y a Gordon. Ah mais dans le coup, est-ce que je vais devoir choisir entre soit aller au manoir Wayne, soit Firefly, entre Bane et Firefly? Ah c'est chaud. Bah en vrai, je choisirais Firefly parce que le truc c'est que comme Alfred est enfermé dans la Batcave. Ce que je disais, c'est que comme il y a beaucoup de... comme il y a des vies en jeu sur le pont, voilà, je vais y aller. Parce que, de toute façon, Alfred est enfermé au Manor Wayne. Vu qu'on est Bruce Wayne, on a une richesse, mais infinie. Alors, de toute façon, on pourra le reconstruire s'il le défonce. Voilà. Si je peux pirater le canal de communication de Firefly, je pourrais en savoir plus. Ah, comme ça. Si les flics essaient quoi que ce soit, tuez quelques otages. D'accord. Et on attend combien de temps pour déclencher les minuteurs sur les bombes? Pas avant que Batman arrive. On attendra toute la nuit s'il le faut. Il y a 50 millions de dollars en jeu. Alfred, Firefly a des otages sur le Pioneer Bridge. Je dois m'occuper de lui avant de revenir. Vous pouvez laisser la police s'occuper de Monsieur Linz. Surtout à la lueur de ce que nous venons d'apprendre. Je ne peux pas abandonner les otages. Ils sont en danger à cause de moi. À cause de la prime que le Joker a mise sur ma tête. Vous ne craignez rien dans la Batcave. Voilà, donc ça suit la même logique que moi. Super. Mais dans le coup, comment je remonte? Ah bah d'accord, comme ça. Donc on a fait 50% du jeu, si j'ai bien compris. Non? Je sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais... pas mal en tout cas. C'est-à-dire qu'on serait quasiment à la moitié du jeu. Bah on est à la moitié du jeu. Enfin peut-être plus, en fait j'en sais rien. On verra. Peut-être que je vais rester plus longtemps en fin de compte. Peut-être que je vais pas m'arrêter à 22h mais je vais en faire plus. Que, s'il y a moyen que je le finisse ce soir, je vais peut-être le faire. Comme ça, on est vendredi, donc lundi, je commencerai The Evil Within. Si je le finisse. Ah bah non. Bah non, je pourrais pas commencer The Evil Within puisque j'ai encore Cold Earth à faire. Le DLC de Mr. Freeze. Donc non, j'ai rien dit. C'est-à-dire que lundi... c'est-à-dire que idéalement, lundi, je m'attaque à... au DLC de Mr. Freeze. Pour finir le jeu entièrement. Bah entièrement. Pas entièrement parce qu'on aura pas fait Enigma, mais c'est pas grave. Alors dans le coup, je dois aller où, moi, sur le pont, parce que... Je dois attirer Firefly loin du pont pour pouvoir approcher sans danger. Par exemple, ça sert à quoi, ça? Ah non, cinématique! D'accord. Et il se fait plaisir. Centrale, ici Marine 4. Où est le poste de commande tactique? On est censé obéir à Gordon. Le poste est dans le pilier central, à la base du pont. 10-4. Quelqu'un sait combien il garde d'otages? Plein, il paraît. Espérons que Gordon donne l'ordre d'envoyer le SWAT qu'on puisse rentrer chez nous. Non, mec. Vaut mieux pas espérer ça, crois-moi. Brandon tirera sur tout ce qui bouge et il faudra qu'on emballe tout le monde dans des housses. Ouais, ça parlait de la pédance. Batman est là. Hop là. Alors, par où faut que j'aille? Très bien. Pas de problème.
Putain, mais c'est des portes en acier trempé, leur truc. Vache. T'as vu, il y avait même une manivelle dessus. Une valve, pardon. Bullock, il s'appelle. Ah mais non, c'est Gordon. N'envoyez pas vos hommes. Firefly a garni tout le pont d'explosifs. Montrez-vous. Allez-y. Non, rappelez-les. Si Firefly fait sauter le pont, il y aura d'innombrables victimes. C'est à cause de vous que les gens sont en danger. Il fait ça pour la prime qu'il y a sur votre tête. Vous devez vous rendre. Je vais aller chercher Firefly moi-même. N'envoyez personne tant que je ne donne pas le feu vert. Vous allez rester en dehors de ça. C'est compris? Et merde. Garde-côte. Ouais. Et je vous ai prévenu, vous êtes con aussi. Mais en même temps, Gordon, je suis pas confiance pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être que j'aurais dû aussi frimer avec lui, avec mes gadgets. Pour faire comme avec Barbara, comme a dit. Et c'est sympa votre technologie. Ok, je suis votre allié. Allez, vite. Allez, monte. Monte. Mais non, fais pas des roulettes. Monte. Il prend même pas l'échelle. C'est quoi ça? Non. Ah. EDF. Ok. Impec. Hop. Oula, c'est par où? C'est par où? En face là? Ouais, d'accord. Je savais pas s'il pouvait s'accrocher ou pas. Ah d'accord, oui, ok. Allez. On y va. Putain, y'a un brouilleur. Eh, c'est pas con comme question. Allez. Le brouilleur, il est où? Donc j'ai le dos qui me gratte. Alors. Je dois interroger un de ces gardes pour savoir combien de bombes Firefly a posées, ainsi que leur position. Ça va pas être simple. Mais non. On remonte là-haut. Merci. Ok. Donc il y en a qui sont truffés d'explosifs, très bien. Il doit être tout prêt. Trouvez-le vite. Et hop, salut. Maintenant, à nous. Je veux descendre. Je veux descendre. Quelle ordure. Comment il soulève un type comme ça? Comment t'as atterri là-haut? Il s'est fait surprendre comme une pignata. Pignata. Non.
C'est bon, je me rends. Putain. Attendez. Voilà. C'est chiant ces désynchronisations à la con. Ah, peut-être que c'est les piles. Ah, c'est peut-être les piles. Je vais les changer. Là. Combien y a de bombes sur ce pont? 4. 4. Une ici. Une directement au-dessus. Numéro 4. Au niveau inférieur du pont. Et une à chaque extrémité du pont. C'est les plus grosses. Et c'est tout, je te jure. Et je te jure que tu vas bien dormir. Joyeux Noël, au fait. Alors. 4 bombes sur le pont, avec les plus grosses à chaque bout. Je vais devoir désamorcer cette bombe avant de m'occuper des autres. Et comment je fais? Ah non, d'accord. Oui, d'accord, c'est bien ce que je pensais. What? Oh, merde. C'est bon. Ah oui, d'accord, il y en a plusieurs! Merde. Je suis rapide, ça va devrait aller. Oh putain. C'est bon. Celle-là est désamorcée. Une bombe en moins. Je dois trouver les trois autres. Putain. C'est trop chaud. Alors, attendez. Oui, d'accord. Donc, je participe. On va y arriver. Paf. What the fuck? 5-2, commandant. Notre cible a touché une conduite de gaz avec son lanceur. Oh merde. Incendie du côté nord. Bon sang. J'enclenche la porte coupe-feu dans cette partie pour protéger les otages. Une porte coupe-feu, c'est très résistant, il me semble. Bah oui, pour le feu, il serait. Quel génie. Vous avez du culot, agent Montaigne. Dans d'autres circonstances, on passe mal. Qu'est-ce qui se passe? EDF. Très bien. Prêt? On y va. De linge. Tu vas rester planté là? Libère-moi! Vous vouliez la prime qu'il y a sur ma tête ce soir. Ça n'a jamais été Sionis. Le Joker a mis la prime. Et maintenant il est en prison. Il paraît, mais j'ai encore des comptes à régler avec toi. Ouais, bah tiens. Pour le reste de la soirée. Facile. Bon. Eh bien, c'est sur ce beau coup de poing qu'on va s'arrêter pour cette VOD. Putain, j'ai du mal à trouver les mots, hein, c'est incroyable. Bon, eh bien, si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Mais surtout, viens sur le stream, que c'est comme ça qu'on en profite le plus. Allez, ciao ciao et à la prochaine. Zou.